Christopher Bagère, 21 ans, 3 quarts centre, surnommé la momie. Dovosig Alexandre, demi d'ouverture, Montmartre, espoir. Moi je m'appelle Morin Felipono, j'ai 23 ans, je joue pilier gauche. Et voilà, ça fait 9 ans que je suis au stade. Thomas Borde, talonneur, et ça fait 4 ans que je suis au club. Surnom Boucle d'Or. Bon, cela commence ou quoi? Allez, on attaque. Feu. C'est à Tito de parler. Ah, merci. Et oui, bizarre. Les cartes ne sont pas son plus fort. Donc, j'ai pas de jeu, donc je vais passer. Partenaire. Très bien. Bon, Tito, comment t'as vécu ce premier match à un challenge européen? Compliqué. Compliqué, mais bon. Un peu comme toi, je pense. Non, mais voilà, c'était quand même une chance de jouer contre une équipe comme Worcester, qui est quand même le quatrième de première division anglaise. Et voilà, et c'est sur des matchs comme ça qu'on apprend le plus. Qu'est-ce que t'en penses, Thomas? Je suis d'accord. Après, d'un côté, on a la chance, le temps, comme dirait JV Claverie, nivelle les valeurs. Donc, on a pu s'en sortir grâce au mauvais temps. Et après, à l'envie de tout le monde. D'accord. Tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Je pense que non, mais c'est comme ça qu'on se forge un peu une expérience et qu'on pourra avancer dans nos vies, tout simplement. Ça s'est bien dit. On s'était dit qu'on n'allait pas tricher, j'ai même pas triché, mais par chance, ça s'est plutôt bien passé. On s'est envoyé quand même. La pluie, c'était chiant pour tes cheveux quand même. C'est dur. Ah, j'étais pas trop bien payé. Je crois que maintenant. Et après, c'était quand même bien qu'il y avait nous des vieux joueurs qui nous encadrent. Quoi. C'était... Vieux joueurs, les forts. Entre guillemets, vieux joueurs. Non, c'est un joueur d'expérience. C'était des joueurs, quoi. Des joueurs d'expérience qui nous ont encadrés et qui nous ont permis de tenir tout le long du match. Ouais, ils nous ont bien guidés. Surtout qu'on avait beaucoup de pression et qu'ils ont les mots justes pour nous la faire baisser. Ouais, nous faire relativiser, quoi. Ils sont habitués. Ouais. Toujours un discours encourageant. Voilà, le week-end prochain, tu penses que tu vas en guider? J'espère, on verra bien. Ça va être bien de visiter Londres, quand même. À Londres, ça va être bonheur, ça. Ouais, ça serait bien de faire ce voyage. La londonienne est jolie. Et délicate. Et t'as compris dans tout ça? C'est compliqué. On va se fâcher. Je suis assez compliqué. Il y a un pub de prévu déjà ou quoi? Pour après, troisième mi-temps, non? Hein, si on n'est pas à l'hôpital, ouais. C'est pas mal. Bon, je vois, c'est une petite visite de Londres, bien sûr. Big Ben, tu vois. Voilà. Ça, ça fait partie de la vie de vendredi. Est-ce qu'on va passer? Bon, et quand même, on va revenir sur ça, parce que finalement, notre championnat, c'est quand même championnat espoir. Ouais. Tout à fait d'accord. Voilà, on a créé une première défaite à Béziers. Dommage, mais non. Bien. Hein? C'est dommage, quand même. Voilà, bon, ça se passe en 32 essais rapidement. 4 minutes, c'est en l'air. Voilà. On se rattrape bien le week-end après. Ouais, oui, voilà. Massy, c'est bien d'avoir battu Massy. Colombien, sous une pluie de Libye. Tu n'allais pas être mal à Libye. Donc, on a le week-end prochain, on reçoit Carcassonne. 5 points de jeu, il faut user ça. Ça sera déjà gagné. Ouais. Alors, bon, faut être ambitieux. Bon recrutement, bon, Carrasson. Chez les jeunes. Ouais, il fait son dernier. C'est pas mal. Je le tourne. 90 trèfles, tiens. 90 trèfles, t'es sûr, toi? Pourquoi je suis là? 5. Ça reproche? Oh, c'est vrai, t'es là. Et nous remercions les jaunes et noirs de Carcassonne. Ah non, pardon, excusez-moi. Les jaunes et noirs de Albi. Attendez. Les jaunes et noirs de...